Bonjour les garçons. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et Michael et Kobe. On est chargé aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? On va voir une petite sœur. Oui, on va voir une petite sœur. De quoi? C'est quoi cette histoire de petite sœur? On va une petite sœur. Une petite sœur, mais attends, une petite sœur c'est pas un jouet, hein. Vous savez ce que ça implique une petite sœur? Bah oui, c'est important, faut s'en occuper et tout ça, ça va très bien aller. Ouais. Alors, je crois que vous vous rendez pas compte. Une petite sœur c'est pas facile, hein. Super facile. Non mais il y a une grosse différence je pense entre vos attentes d'une petite sœur et les réalités d'une petite sœur. Tu verras. C'est ce qu'on va voir. On parie? On parie. Allez, on essaye. Alors c'est bon le biberon? On est bien là. Quelle heure est-il? Super long. Ah, mon téléphone est là. Non! Mon téléphone! Je l'ai. Mais ça fait 10 minutes. C'est bon, t'as terminé là, non? T'en restes encore? Ça va durer 5 minutes. Maman, je vais être en retard. Tu peux t'occuper du bébé, s'il te plaît? Eh non, c'est pas possible. Je pars en rendez-vous maintenant, je t'avais prévenu, hein. Non, attends. Non mais je suis sûre que ton rendez-vous est moins important que le mien. T'as rendez-vous avec qui? Mes amis. Ouais, donc c'est moins important que mon rendez-vous. Allez, tu gardes ta petite sœur. À tout à l'heure. Non. Allez, ciao. Non. Au revoir. T'as vomi dessus. C'est ta petite sœur? Ouais. Ok. Ouais, en plus elle a de l'avance. Vraiment, elle est super réveillée. C'est. Ah, super. T'as un bon repère alors? Ouais. Ah, c'est cool, hein. Par contre, je pense que vraiment tu t'occupes tellement d'elle que tu t'en oublies. Franchement, on conseille, prends une douche. Hein. Allez, à bientôt, Milo. Okay. Salut. Mais attends, ça doit venir d'elle là, c'est pas. Attends. Ah, mais oui, mais ils sont super mauvais. Mais attends, ça vient de sa couche. Une cuillère pour Swan, une cuillère pour Léo, une cuillère pour maman. Ah, tu l'as aussi. Une cuillère pour Swan, une cuillère pour maman. Ah, tu m'as craché dessus. Ah, c'est dégoûtant. Oh. Regarde, je vais t'apprendre à faire un cap grand tour du jeu. Si j'arrive, j'arrive aussi. Dada, t'as cassé toute ma douche, je peux avec toi. Non. Ah, salut Léo, ça va? Ah ouais, salut. Oh, mais c'est ta petite sœur. Ouais, je sais. Oh, quelle est Mais gentil ce grand frère à venir te croire. Bah justement, vu que t'es là, je voulais t'inviter au cinéma. Et elle sera là aussi, en plus. Oui, elle sera là. Et tu veux y aller quand? Ce week-end. Quand? Au week-end. C'est quoi? Au week-end. Je suis désolée, je t'entends pas. Une fourmi s'en allait, très pressée, en quête de nourriture pour l'hiver. La cigale lui lança.
Venez jouer et chanter. Pour aujourd'hui, nous avons assez à manger. Mais la fourmi retourna ses affaires. Chaque jour, la scène se répéta. Tout cet été, pendant que je travaillais, vous avez chanté, et bien mon ami dansait maintenant. Auprès de la fourmi, elle demanda en montrant son montre plat de quoi se mettre sous la dent. Tout cet été, pendant que je travaillais, vous avez chanté, et bien mon ami dansait maintenant. Bon, laissez-moi le livre, j'ai couché. Regarde, t'as cet objet et maintenant mets-le dans la boîte. Mets-le dans la boîte, s'il te plaît. Et là, voilà. Et maintenant, fais pareil avec l'autre. Voilà, maintenant je vais pouvoir lui faire ranger tes pachons. Eh, mais c'est quoi ce bazar? C'est quoi tout ça là? C'est Lily Rose qui a tout sorti. Ah non, mais je veux pas le savoir, Lily Rose elle est trop petite pour ranger. C'est toi qui ranges, Swan, hein? Mais c'est Lily Rose qui a tout sorti. Ah non, non, mais je veux pas le savoir, Lily Rose elle est petite, c'est toi le grand frère, c'est toi qui ranges. Non. Ah, mais c'est comme ça avec une petite sœur, hein? Vraiment, c'est trop mieux. Allez, dodo maintenant. Je vais te coucher. Ah, c'est super cette petite sœur qui dort bien et qui n'y hurle pas. Je vais me coucher. Garçon, c'est comment cette expérience de petite sœur? Moi, vraiment, c'est très bien. Vraiment? Ouais. C'est pas grave qu'elle pleure, qu'elle t'empêche de dormir, ça qu'elle te casse tes rencontres avec les filles. Moi, par contre, ça me dérange énormément. Swan, ça vient du fond du cœur. Ouais. Moi, ça me dérange énormément. Ah, alors on va avoir un problème, parce que le grand, il est d'accord pour avoir une petite sœur, et le petit, pas du tout. Non. Alors, ce sera ta petite sœur à toi. C'est pas si simple, hein? Non. Alors, Swan n'est pas prêt du tout pour une petite sœur. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Arrête, on est au sommet. Les copains et les copines, pour ou
contre une petite sœur. Dites-nous les commentaires. Pensez aux pouces bleus. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt les grands bruits. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez. On parle à vous. Bisous. On vous adore. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye bye et plein de bisous. Et plein de bisous à Lily Rose, petite sœur d'un jour. Moi ça me plairait.